bien salut! Aujourd'hui, on est là pour parler de The Wolf Among Us, un jeu du studio Telltale Games Série, qui désormais est malheureusement fermé. Je te laisse te renseigner sur les conditions si tu veux en savoir plus. The Wolf Among Us, adapté du comics Fable de Will Willingham, sorti en 2012, lui m'a vraiment marqué. L'histoire se passe en 1986 aux États-Unis et le jeu met en scène des personnages issus de contes de fées, tels que le grand méchant loup, Blanche-Neige, Belle ou encore les trois petits cochons. Et ces personnages de contes oppressés sont partis et ont trouvé refuge dans le monde réel, dans le Bronx. Pour ne pas se faire repérer, tous les personnages de contes non humains ont recours à un enchantement qui leur donne une apparence humaine. Et vous, dans tout ça, vous contrôlez Big B Wolf, alias Big Bad Wolf, le grand méchant loup, qui est le shérif de Fableville, et qui est responsable du maintien de l'ordre dans sa communauté, ainsi que de la dissimulation de ses semblables aux yeux des humains. La direction artistique, fidèle au studio Telltale, est typée comics, jouant aisément avec les couleurs flashy et osées. Elle se mélange astucieusement avec la crasse des quartiers new-yorkais et des endroits où va traîner Big B. Du coup, l'ambiance polar nous embarque directement et marche complètement avec le point and click car la partie enquête nous demande d'observer, de trouver des liens et de faire des hypothèses. Pour ce qui est des choix, ils sont véritablement justifiés. En tant qu'homme d'autorité, Big B doit prendre des décisions, doit savoir comment gérer les situations, et c'est donc à nous de savoir comment le faire. Et quelle personnalité allons-nous donner à ce shérif qui reste quand même le grand méchant loup? The Wolf Among Us, comme de nombreux Telltale, jongle avec le narratif et l'action très facilement, en se basant sur un univers unique et une enquête passionnante à suivre. Laissez-vous tenter par cet univers sombre mêlant contes et BD dans The Wolf Among Us. Et je peux vous garantir que vous n'allez pas vous ennuyer. À demain !